check-moi le bordel. Nicolas! Quoi? T'as-tu vu le désordre qu'il y a dans la maison? Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais depuis deux jours, toi? Je fais 104 de... C'est pas une raison pour faire le ménage. T'as-tu vu la vaisselle qui traîne? Hey, c'est la tienne. La mienne est déjà toute dans le lave-vaisselle. Oh, c'est ça. T'as mis la tienne dans le lave-vaisselle, t'as laissé la mienne sur le comptoir. Hey, t'es paresseux, là, ça se peut quoi. Paresseux? Moi? Hey, c'est moi qui fais tout dans la maison depuis que Mélanie est partie. C'est normal, je travaille, moi. Parce que moi, je travaille pour. Toi, tu lis à longueur de journée. Ça s'appelle étudier, oui. Peu importe, il faut que tu réalises que Mélanie est plus dans la maison, donc il faut mettre des bouchées d'eau pour s'occuper de l'entretien ménager. T'as pas pris grand mordé dans le ménage jusqu'à date, hein? Ça, je fais plus que ma part, OK? Ah oui? C'est quand la dernière fois que t'as passé l'aspirateur? L'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Mais dans ce cas-là, c'est mieux d'être propre la fois où tu vas le faire. Je viens de te dire que je fais ma part. Comment? Quand je rentre, je me suis épié. Puis le lavage? Je porte mes bobettes deux jours de suite. La bouffe? Je peux quand même pas faire du barbecue tous les jours, là. Regarde pas, là, si c'est trop compliqué, pourquoi t'engages pas une femme de ménage? J'ai pas le goût de dépenser pour une affaire aussi niaiseuse. Ben, si c'est si niaiseux que ça, occupe-toi-en. Non, j'ai pas les compétences pour ça, alors que toi. Quoi, moi? Toi, avec le temps, t'as su développer une qualité essentielle à l'entretien ménager. Quoi? Ton côté féminin. Oui, c'est ça, Francis. Le fantastique est en dessous de la vanité, puis les guenilles dans l'armoire. Ben, t'as juste à faire push-push avec le fantastique, pas frotter fort. Ben oui, c'est plate, là, mais qu'est-ce que tu veux, ça existe pas, les bains auto-nettoyants. Bonne journée. Petit problème de cohabitation? Ouais, ben disons que Francis puis Monsieur Net sont pas les meilleurs amis du monde. Fais attention, Mélanie, t'es mieux de le mettre à ta main tout de suite. Comment ça? Ben, dis-toi que cohabiter avec un gars, c'est comme avoir un petit animal domestique. Si tu le donnes pas en partant, tout ce qu'il fait, c'est manger, s'effoirer sur le divan pis laisser ses poils partout. C'est bien, là, mais c'est pas évident. Regarde, par exemple, la semaine passée, j'ai demandé d'aller faire l'épicerie. Il a rechigné. Non, non, il est allé. Mais ça fait une semaine qu'on mange de la bouffe congelée. Ah. Ouais, je le sais. C'est pas facile, hein, s'occuper d'une maison, là. Oh. Qu'est-ce que t'en sais? T'es une femme de ménage. Ben oui, mais il faut tout le temps que je lui dise quoi faire. En plus, là, c'est pas évident de se faire comprendre, hein. Comment ça? T'essaieras, toi, de dire « Envoie et torche le plancher » en portugais. De toute façon, là, tu connais rien aux tâches ménagères. Oh, non. Ma petite Sylvie, ça m'est arrivé quelquefois, là, de faire des petites affaires. Oh, exemple? Ben, du jardinage. Du jardinage, toi? Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as planté récemment? Mon jardinier. Une espèce d'incompétent, là. Salut! Salut! Salut. Mélanie, quand est-ce que tu viens faire un petit tour à maison? Tu sens, ça fait longtemps que t'es pas venue, là. Ah! Mais pas de problème en fin de semaine? Ah, ben, je pensais que tu pourrais venir souper à soir. OK. Je peux aller souper. Fait, tu peux arriver vers 3 heures? Vers 3 heures, c'est de bonne heure. Ah, ben, ça nous donnerait le temps de jaser puis de faire la vaisselle ensemble, tu sais. Quoi? T'es-tu en train de m'inviter pour que j'aille faire ta bonne? Ah, oh, non, je dis ça de même. Ça, okay. Dans le fond, je dis ça pour ton bien, tu sais. Oh! Pour son bien. Ben oui. Pour pas qu'elle perde le tour. Ah, perdre le tour de quoi? Ben, le tour du ménage. Tu sais, c'est bien beau si tu travailles au bureau, mais un jour, peut-être, tu vas vouloir avoir des enfants, ça va prendre quelqu'un s'occuper de la maison. Ah, parce que c'est ça que tu penses de moi, là, que je suis juste bonne à rester à la maison. Ah, non, je sais que t'es ambitieuse, mais un jour, peut-être que tu vas vouloir t'accomplir entièrement en tant que femme, tu sais. Ah! Et pour toi, s'accomplir entièrement en tant que femme, c'est devenir reine au foyer? Ben quoi, c'est pas facile, hein, la preuve, même moi, je suis pas capable. Regarde, Pat. Je te remercie pour ton invitation, mais je vais passer mon tour. Puis pour ce qui est de ton ménage, ben tu feras comme ta vaisselle sur le comptoir. Quoi? Sèche. Hé, hey, Robin! Hé, hey, Denis! Une petite frette, mon Denis? Ah oui, donc. Sers-toi. Puis donc, c'est donc bien propre, ça.
T'as remarqué, hein? J'ai ciré les planchers, j'ai lavé les murs, puis j'ai rangé tout ce qui traînait. Trouves-tu que ça sent bon? Oui. Mais on est dans un garage, ça devrait sentir de l'huile à moteur puis la graisse, pas le spick and span. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je reprise mes bas, Denis. Oui, bien ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont troués. Ben, s'ils sont troués, pourquoi t'y jettes pas, t'en achètes pas d'autres? Denis. On voit bien que tu ne connais rien à l'économie familiale. Bon, c'est quoi encore? Eh bien, Denis, j'ai décidé d'un grand changement dans ma vie. Désormais, Denis, je serai homme au foyer. Homme au foyer. C'est quoi cette niaiserie-là, là? Eh bien, vois-tu, Denis, suite à ma nouvelle position en tant que beau-père de famille, je me suis dit que pour le bon fonctionnement de la maison, ce serait important qu'un adulte demeure au foyer. Ben, peut-être, mais pourquoi? Pourquoi toi? Parce que c'est moi qui fais le moins d'argent. C'est pas une raison, ça. Il y a également le fait que, depuis tant d'années, j'essaie de suivre les traces de papa. Sans grand résultat. Alors que peut-être que ma destinée est de suivre les petits pas de maman. Non, tu peux pas. Pourquoi pas? Parce que c'est génétiquement impossible. Regarde, les femmes ont le gène de l'ordre. Les hommes ont le gène du désordre. Alors comment tu veux, si l'homme fait pas du désordre, que la femme soit satisfaite dans son besoin de faire du ménage? Ah, c'est drôle, hein? J'imagine mal les filles qui te font triper à quatre pattes en train de tirer le plancher. Ça, là, c'est une idée de Sylvie, hein? Non, pas du tout. Elle est même pas au courant. C'est une surprise. Mais comment tu veux que j'aille prendre ma petite frette avec toi si c'est toujours à la maison, hein? Non, mais tu viendras chez Sylvie. Je vais te servir un bon café. Un café? Oui, un bon café brésilien que je moue moi-même et que je percolate savamment. T'es vraiment viré sur le top. Oh, Denis, je sens que tu es jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de mon bonheur à venir. Quel bonheur! Mais pas besoin de sortir dehors quand il fait tempête. Plus de temps pour moi quand les enfants sont à l'école puis Sylvie est au travail. Je vais pouvoir accomplir mes tâches à mon propre rythme sans patron qui me pousse dans le dos. Oui, t'as pas de patron qui te pousse dans le dos, t'es ton propre patron. Denis, n'essaie pas de diminuer mon bonheur. Ma décision est prise, je me ferai roi du foyer. Oh, en passant, dînes-tu avec moi? Ah oui, non. On va où? On va nulle part. J'ai un bon ragoût de boulettes sur le feu. La recette à Jeannette. Ben oui, c'est à ton tour. C'est moi qui l'ai fait la semaine passée. Non. Hey, puis oublie pas que mon col roulé en laine va pas dans la sécheuse. Pas envie de me retrouver avec un col roulé béden à manches courtes, là. C'est ça. Bye. Tu parles encore avec Francis? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Petit problème de cohabitation entre Mélanie et son chum. Oh, ça, je comprends ça. Hey, si tu veux, là, je peux te donner des trucs. Non, ça va aller, Jean-Louis. Non, je suis sérieux. Hey, tu sais, Titlaine et moi, on est passés par là, nous autres ici. Ah oui, hey, au début, on a eu vraiment de la misère avec le partage des tâches. Bon, tu voulais qu'elle fasse tout? Ben non, au contraire, on voulait tout faire tous les deux. C'est pas un problème, ça? Ah oui, hey, on a eu des puissantes prises de bec au début, là. Jusqu'à temps qu'on trouve un système qui nous satisfait tous les deux. Lequel? On fait tout. Moitié-moitié. Ben, c'est pas un système, ça, c'est la normalité. Non, mais je veux dire, on sépare vraiment tout. Par exemple, le lavage, on partage la tâche. Genre, elle lave les vêtements blancs, puis toi, ceux de couleur? Non, pour être sûr que ce soit vraiment égal, là, on pèse les vêtements sales, puis on fait la moitié chacun. T'es pas sérieux? Oui, comme ça, il n'y a pas de conflit. Même chose avec la vaisselle, on fait chacun la moitié des assiettes, des verres, des ustensiles. Mais pourquoi vous n'avez pas chacun votre vaisselle? Ah! Avant, c'est comme ça qu'on faisait. Mais là, on s'est aperçu que Titlaine, elle mange avec un appétit d'oiseau. C'est qu'elle en laissait toujours plus dans son assiette. Finalement, c'était pas équitable. Elle en lavait beaucoup plus que moi, la chanceuse. C'est pas mal compliqué, là, votre affaire. Non, encore couché.
malade, là. Ben oui. Hein, encore une raison pour faire le ménage, pour faire la vaisselle. Mon nom, c'est Nicolas Charret, pas Denis. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as encore passé la journée foirée sur le divan, puis là, c'est encore le bordel dans la maison. Je suis malade, je te dis. Ben, si t'es si malade que ça, mais c'est que t'étais vaché toute la journée devant la TV. T'as raison. Je suis mieux d'aller me coucher dans ma chambre au lieu de me faire casser les oreilles. Ah, c'est ça. Laisse-moi tout seul avec toi. T'es ingrat tous les fois. Ah, Mélanie, t'as accepté mon invitation. Non. Je suis juste venue voir Nico. Ça paraît qu'il file pas? Ben, un petit rhume de rien du tout. Tu sais comment est-ce qu'il est frêle, notre Nico? C'est pas grave, toujours? Non, pas de quoi appeler une ambulance. De toute façon, il fait déjà des dodos. Ah. Bon, mais dans ce cas-là, je vais m'en retourner puis je repasserai. Ah! Je pensais que tu pourrais rester un petit peu ici. Donner un petit coup de pouce. Non, pas, je te l'ai dit. Je reste plus ici, je suis plus ta bonne. En plus, j'haïs ça, le ménage. Je serai jamais une femme de maison. Pourquoi pas? Ben parce que j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un. Je veux mon autonomie. Puis je veux voir du monde dans ma journée autre que le facteur puis le gars des vidanges. Puis je veux une carrière, des défis. Mais pourquoi faire? T'as un chum pour ça. Franchement, pal, on n'est plus dans les années 50. Mélanie, tu pourrais te laisser vivre. Ça me tente pas. Pense-y. Plus besoin de sortir quand il y a des tempêtes. Tu pourrais t'installer dans le divan pour regarder tes émissions préférées toute la journée. Plus de patronne sur ton dos. Ben oui, puis je ferais quoi de mes journées? Repriser des bas puis faire du ragoût de boulette? Hey, Romain! Chut! Je regarde mon programme, là! Qu'est-ce que tu regardes? La saison de Claudine. Non, Romain, c'est une émission de les petites madames, ça. Oui, on lui donne plein de trucs utiles pour de la maison, comme par exemple, sais-tu comment enlever une tache de vin sur une nappe? Tu mets du sel. Ah, tu l'as vu, toi aussi! Tout le monde sait ça. Ah ben moi, je l'ignorais. C'est quoi ça? Ah, ben là, pas grand-chose pour l'instant, mais bientôt, j'espère, des pantoufles pour Jérémy. Ah, il tricote à cette heure. Ouais, hey! Tu te fasses un foulard, toi? Non. Des mitaines? Non. Une paire de pantoufles? Non, arrête ça, c'est ridicule. Hein, quoi? Ton histoire d'homme au foyer, là. Ben, y a rien de ridicule là-dedans. Germain, t'as pas besoin de faire ça. T'as le goût de te laisser vivre, toi? T'as le goût de dépendre de quelqu'un? Toi, t'as le goût dans ta journée de rencontrer juste le facteur puis le gars des vidanges? T'as pas le goût d'une carrière, de défis? Hein? Ben, pour ça, pas besoin, Sylvie, elle est là. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il va falloir que tu travailles pour gagner ton pain. Ah, c'est là que tu tournes, Denis Charrette. J'ai plus besoin de le gagner, mon pain. Comment ça? Je le fais moi-même. Oui, Titlaine, n'inquiète-toi pas, je vais m'en occuper. Puis pour ce qui est des positions, ben, là, hop! Jean-Louis? Oui? Est-ce que tu viendrais de raccrocher au nez de Titlaine? Oui. C'est-tu trop indiscret de te demander pourquoi? Ah, non, c'est parce qu'on s'est acheté un cellulaire. Et? Ben, c'est parce qu'on a pris un forfait à la minute. Ça fait que, étant donné qu'on partage tout moitié-moitié, quand elle m'appelle ici, elle a le droit de me parler pendant une minute. Oui, mais vous aviez même pas fini votre conversation. Ah, je le sais, mais une minute, c'est une minute. Hey, c'est donc bien compliqué, vos affaires. Oui, mais équitable. Et puis, tu sais, ça aurait pu être pas mal plus compliqué, hein? Mon Dieu, comment? Ben, imagine si on avait pris un forfait à la seconde. Oh, ben... Je pense que je file vraiment pas, là. Ben, essaye pas ça avec moi, tu te sauveras pas de faire le ménage. Ben non, ça a rien à voir, là, ça. Ah, Nicolas! Tiens, c'est pour Jérémy. Ah, c'est pas pire, hein? T'as acheté ça où? Je les ai pas achetés. Je les ai fabriqués moi-même. Ah, tu tricotes? Oui, puis je fais le ménage, je fais la cuisine, puis demain, je commence la broderie. Ah, ben veux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'arrive? Ben, vois-tu, ma belle Vivi, je me suis dit que comme t'étais pas mal occupée avec ton travail puis les enfants, là, t'aurais besoin de quelqu'un à maison. OK. J'ai calculé mon affaire, puis j'ai réalisé qu'un seul salaire suffirait pour nous six. Alors, j'ai décidé de me faire homme au foyer. Ah!
T'as pas l'air contente? Ah non, 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 c'est gentil de ta part. C'est juste que j'ai de la misère à t'imaginer avec un tablier puis un plumeau dans les mains. Oh! Tu serais surprise. Ce que je veux dire, c'est que j'aime mieux te voir en salopette. Ah, oh, ben, je peux y mettre pour faire le ménage. Tu comprends pas, Germain. J'ai déjà eu Gaétan qui était assez rose, merci. J'ai pas le goût d'en avoir un deuxième. Mais qu'est-ce que tu veux, là-bas? Je veux toi. Je veux un homme brun. Je veux un homme qui sent l'huile à moteur, pas l'huile d'olive. Oui, je faisais ça pour tes deux. Oh, je le sais, mais je peux très bien me débrouiller sans problème. Je veux pas que tu changes. Je veux que tu restes un vrai mâle qui boit sa petite frette, pas que tu deviennes un homme rose soumis qui boit sa tisane puis qui m'obéit au doigt et à l'œil. C'est ça que tu veux? Oui. T'es bien sûre? Certaine. OK, d'abord, Vivi. Je verrai devenir le Germain Brun que tu aimes, qui travaille en salopette sale, puis qui se beurre de graisse à moteur. Puis inquiète-toi pas, je ne te serai pas soumis et je ne t'obéirai pas au doigt et à l'œil. Oh, c'est comme ça que je t'aime! Oh, Germain! Oui, Vivi? J'aimerais ça que tu ailles chercher Jérémy au soccer ce soir. Pas de problème! Là, je te préparais un bon bouillon de poulet. T'es gentil, pas t'occuper de moi. On va voir, ça va te faire du bien. Merci. Là, t'as pas oublié ce que ton médecin t'a dit? Oh oui, là. Du repos et beaucoup de liquide. Ouais, beaucoup de liquide, fait que ferais-tu une petite traite? Non, le bouillon de poulet, ça va faire. Bah. Quoi? Ben, merci beaucoup. Sérieux, t'as été une vraie mère pour moi. Oh. Ben, c'est temporaire, hein? Je vais aller te faire couler un bon bain. Hey, Nico! Hey, Germain! Oui? Ça va-tu mieux? Oh, oui, je récupère. Mon Dieu, c'est donc bien plat. Puis c'est dedans, qui c'est qui a fait le ménage? C'est pas. T'es pas sérieux? Oui, puis il m'a fait de la soupe en plus. Ah, Nicolas, ton bain va être prêt dans 2 minutes. Tu as fait couler un bain? C'est juste pour faire descendre sa température, là. Ah ben, mon petit coquin cachotier, t'es un roi du foyer pis tu voulais pas me le dire. Ouais, pis c'est une excellente garde-malade aussi. Ouais, c'est juste en attendant qu'ils prennent du mieux, là. Ah, là, je comprends pourquoi tu m'encourages pas à rester à la maison. T'étais trop fier et orgueilleux pour parler de ton côté féminin. Pas en tout. Non, tu sais, y a pas de honte là-dedans, Denis, là. C'est très gratifiant d'être monsieur maman. Arrête de dire ça, tu m'écœures. Oh, hein, bouge pas, je reviens tout de suite. Tu vas où, là? Chercher ma recette de ragoût de boulette. T'as bien l'air fatigué, un matin. Oh, c'est parce que Tislaine et moi, on a fait du ménage toute la soirée hier. Ah, ben là, je comprends. Avec votre façon de fonctionner, ça prend une éternité. Ah oui, mais on a changé notre façon de faire. Hein? Ah oui? Oui, oui, oui. On s'est comme rendu compte qu'il y avait une faille dans notre système. Et je pense que la faille n'est pas dans le système. Non, 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 mais tu vois, hier soir, on a vraiment fait face à un problème. On avait un sac de vidange à sortir. C'était pas équitable. Ben finalement... On l'a sorti ensemble. Oh! Ça devait être beau de vous voir. Oh, on a tellement aimé ça, là, que on a décidé de réajuster tout notre système. Alors maintenant, on fait tout ensemble. Évidemment, c'est plus long laver le plancher quand t'es deux sur une mop. Ah, Sylvie! Tu dois avoir ça, toi, là, dans ta famille. Une matante, là, ou une belle-sœur qui fait des ménages. Bon, pourquoi? T'as pas ta madame portugaise, là? Non, elle m'a laissé tomber, la maudite. Ben, t'as peut-être été trop dure avec elle. Oh, pas du tout. Non, non, c'est son mari, là, qui l'a convaincue de rester à la maison. Bon, une autre femme qui va être obligée de faire la même chose chez elle, gratis. Oh, je le sais, ça n'a pas d'allure. Moi, là, une femme de ménage qui a pas d'ambition, là, je suis pas capable. Oh. En plus, je me suis tapé 2 mois de portugais à cause d'elle. Oh, ben oui, mais ça s'est jamais perdu. Ben oui. J'aurais même pas le plaisir de l'engueuler comme du monde. Je suis contente que t'aimes mieux. J'avais juste besoin d'une couple de jours de repos. Puis les petits soins de papa? Ouais.
Sauf que là, je pense que c'est le retour à la normale, hein? As-tu vu le comptoir? Ouais, mais à cette heure, tu sais qui est capable de s'en occuper. Oh. Les enfants, votre père file pour pantoufle. Nico, je pense que j'ai pogné de la grippe. Oh, pauvre toi! Je pense pas être capable d'aller travailler aujourd'hui. D'ailleurs, je pense pas être capable de faire grand-chose aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que t'as? Ah, il y a comme des tremblements, de la fièvre, des nausées. Mmh. Oh. Puis tu voudrais qu'on s'occupe de la maison. Ben, si c'était pas trop vous demander. Ah, mais malheureusement, moi, faut que j'aille travailler aujourd'hui. Hein? Puis moi, j'ai peur de te décevoir, hein? Je suis pas de ton calibre. Par rapport à quoi? Ton côté féminin. Hey, Denis! Hey, les enfants! Allez, hey, Germain! T'arrives juste à temps. Ben oui, passe sans mal. Puis il pourra pas aller travailler aujourd'hui. Ouais, puis il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Sérieux? Mais c'est merveilleux! Je vais pouvoir en profiter pour te montrer quelque chose qui saura te passionner. Ouais. Tricoter!